Coucou, Melova Love, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. En tout cas, moi, je vais super bien. J'ai dit, hein, venez, on va s'affairer. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. J'ai dit, hein, venez, on va s'affairer. Adama. Venez, on va s'affairer, mon cher. On va rien rater ici, là. Excusez-moi. Je vais mettre le numéro d'affairage. Le numéro d'affairage, ça c'est sûr. Ça c'est sans manquer. Est-ce que vous êtes là? Viviane Seri, salut. Partagez la vidéo, partagez en safari. Affairons-nous vivants. Il a dit, hein, on ne peut pas s'ennuyer sur Facebook là. On peut. Est-ce que vous pouvez vous ennuyer même? Affairage comme celui-là, je rate rien. Vous savez que moi, je suis trop affairée. Affairons-nous vivants. On n'a même pas encore fini avec le dossier d'Apoutou. Apoutou aussi actuellement là. Il nous a mis dans le problème. Apoutou a son histoire de Gabonais. On n'a même pas encore fini. On se réveille, on dit, ah, qu'il y a une star qui a refoulé sa fan. Comme c'est une, on dit une fan. Quand c'est un garçon, on dit un fan. Ok, c'est une fille au moins. Qui a refoulé son fan, sa fan. Il a dit, aïe, comment ça encore? On dit, hé, ma chérie, il faut aller t'affairer sur Facebook tellement c'est gâté. Ah, j'arrive sur Facebook, c'est djinzin. C'est bien, je dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, attends, l'image est bien sortie avec le teint qui va avec. Hé, maman sans filtre, j'ai dû appeler moi maman sans filtre. Adam, mon père t'a ferré comme ça. J'ai dit, on dit, quand on dit le karma existe là, c'est ça qu'on appelle le karma existe. Ce n'est pas par rapport de tout le monde qu'on casse dans ce monde. J'ai dit, hein, il y a les papos, il y a des gens qu'il ne faut pas toucher les papos. Même si tu as les papos, la maman, il faut garder ça pour toi seule. Parce qu'il y a les gens que Dieu n'aime pas qu'on les touche. Avec le teint qui va avec. J'ai dit, hein, il y a les gens là que Dieu n'aime pas qu'on les touche. Je suis assise tranquillement dans mon coin. Hein? Dans ma maison blanche. Maison 5 étoiles, dans mon duplex, Adama. On dit non à ton papa là-bas. On dit non que tu es sans papier. Non que ta vie est compliquée dans Belgique là. Que ta vie est ceci. Ta vie est cela. J'ai dit, hé Seigneur, moi l'eau va 5 étoiles. Aïe. Moi on me traite de sans papier. Adama. On peut mentir sur la vie de quelqu'un comme ça. On peut mentir sur la vie, l'enfant, la fille préférée de Dieu. On peut mentir avec le teint qui va avec. Mais je dis, aïe, Lova, sans papier, Lova, Adama. On peut avoir le papo comme ça de Lova, mais j'étais dépassée. J'étais assise par terre. C'est-à-dire que tellement que l'affairage m'a dépassée là. Tellement que, c'est-à-dire le papo, si c'est facile, le papo, si ça m'a dépassé. J'ai dit, mais attends, Lova. Donc toi, tu n'as pas papier. Toi, tu es en Belgique ici, là, tu es sans papier. Tu es sans domicile fixe. Hein? Toi, tu vis dans maison association avec les jeunes. Et c'est toi, tu parles d'affaires des gens sur Facebook. Pourtant que toi, tu as un loup papo. Voilà, maintenant on dit tu es sans papier. On dit tu es sans papier maintenant. Qu'est-ce que je vais dire devant mes fans? Mes fans, quand vous voyez le teint qui tient comme cela, là, le teint qui tient, là, quand vous voyez le teint assise dans la maison blanche, est-ce que je peux être sans Adama? J'ai dit, hé Seigneur, hé Seigneur, on peut mentir sur ma vie comme ça. On peut mentir sur ma vie comme ça. Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour mériter cela?
Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour qu'on mentionne ma vie? Je suis assise par terre ici, en train de faire Congo ça. Déjà, moi-même, là, les gens m'ont pas. C'est-à-dire que les gens ont mon papo, ils ont mes papos là-bas, mes loups papos, mes loups dossiers. Et puis, moi, je ne suis pas au courant de ça. Et puis, je ne suis pas au courant de ce centre de faire Congo ça. Hein. Partagez-les. Partagez. Jusqu'au moment où je regarde la vidéo, jusqu'à quand j'ai ri. J'ai ri jusqu'à. J'ai dit, Lova. Ah, tu es l'enfant préféré de Dieu. La maison blanche, mettez-moi le cœur. Avec le français du. On dit love à ton français du. En plus, tu es musclé, on est quelqu'un qui soulève poids. Adam, avec le maquillage qui arrive jusqu'à la frontière de l'île. Je dis, ah, on peut décortiquer la vie de quelqu'un comme ça. Hein? On peut décortiquer quelqu'un comme cela, c'est sa vie. On peut insulter enfant de quelqu'un comme ça. Tellement que moi-même, j'ai regardé la vidéo, ça me faisait rire, non? J'ai dit, hein? C'est-à-dire, toi-même, on t'insulte. Et puis, je suis bizarre quand même, hein? Regardez quelqu'un. Regardez quelqu'un. Moi-même, je suis bizarre. C'est-à-dire que moi-même, on m'insulte et puis je prends, je mets sur ma page. Adama. On m'insulte. Et puis, moi, je prends encore là. Je mets de plus ça sur ma page pour qu'on m'insulte là-bas encore. Hé, hey, Lova, tu es comment même? Tu es bête comment? Tu es bête comment? C'est-à-dire que toi-même, quelqu'un t'insulte, ça ne te fait pas mal. Toi aussi, tu prends encore, tu t'en déposes pour qu'on ait qu'à t'insulter pour mettre dessus. Quand on vous donne le karma, ce n'est pas tous les papos dans ce monde, il faut casser. Hein? Donc, je me réveille. Oh. Ah, on dit les sérieux stars. Hey, a fait des stars mania sur Facebook. A fait des stars. Hey, arrêtez de rire, je ne fais que commencer là. Adama. Affaire, il dit, je vous dis, c'est vraiment moi ici assise ici là. Je suis sans papier, puis il parle d'affaires déjà. Et puis je, ma bouche est prêt. On t'a même pas tiré là, prêt. Quand l'autre, oh l'autre là, ah dame, maman, faut aller chercher papier. Ah, donc depuis ici, vous de ici venir m'asseoir ici là. Je suis allé demander l'asile ce matin. Je suis allé faire demande d'asile pour demander mes papiers. Ah, mon cher, j'ai fait demande d'asile hein, pour demander mes papiers. C'est juste pour rigoler. Voilà. C'est Lova et le teint qui va avec. Donc, avec le maquillage léger. Donc, j'étais là. Je me réveille. On dit, ah, que Eka et puis sa femme là s'est gâtée. Je dis, mais comment est-ce que ça peut se gâter comme ça? Et que français, elle a parlé gros français pour donner à sa femme là des. J'ai dit, gros français, comment? Elle dit, Lova, français que la tante là. Tante, non, gros français. J'ai dit, ah, tante, pardon. Laisse-moi affairer, j'ai dit, j'allais m'affairer. Adama, on peut parler français comme ça. On peut parler français comme ça pour donner aux gens. Partagez-moi la vidéo. Donc, je m'en vais, je regarde le français. J'ai dit, mais Eka n'a pas dit quelque chose aussi de grave dans son français, même si on dit, je ne comprends pas français. Même si on dit mon français est tordu là. Mais français que aujourd'hui au moins est capable un français terre à terre que moi Lova j'ai compris un peu. Voilà. Aujourd'hui est capable parler un français terre à terre. Mon numéro là ça passe hein. Et puis il va vous dire en même temps. Aujourd'hui là, si vous m'appelez, je veux pas que la personne qui commence à insulter là, je te bloque. La personne, si vous voulez donner votre point de vue, vous pouvez dire ce que vous pensez. Mais je ne veux pas d'insultes. Voilà, parce que la personne qui insulte ici, là, parce que d'abord, la fille, elle est anéantie. Elle est déjà anéantie. Je vais vous expliquer que parfois, quand tu es attaqué, et puis tu es anéanti là, tu as dit que tu es un loup gourmet et tu n'arrives pas à dormir. C'est-à-dire que, regardez les gens qui font vidéo à 4h du matin. Quand on les bombarde comme ça, puis elles viennent faire direct. C'est-à-dire qu'elles sont couchées là. Et puis elles attendent le bruit dans leurs oreilles. J'ai dit Facebook, c'est un diable. Hein. Facebook là, c'est démon. C'est-à-dire que parfois, même quand j'insulte quelqu'un mal comme cela, les pieds traumatisent la personne. Là. Parfois, je suis couché là. Et puis j'attends le bruit d'un jus là dans mes oreilles. J'ai dit, je suis André. André, ils sont en train de taper casserole dans ma tête. Moi, je suis ici là. Adama. Donc là, si vous appelez là, si vous appelez là, je ne veux pas d'insultes ici. Chacun donne son point de vue, chacun donne conseil qu'il peut donner, chacun donne son ce qu'il pense. Mais je ne veux pas attendre un petit mot de mensonge, d'injure. Sinon là, je raccroche.
Je ne veux pas aujourd'hui qu'on manque de respect à qui que ce soit. Si tu vois que mon point de vue ne te plaît pas, là, faut pas m'appeler. Parce que je ne veux pas qu'on m'interrompe dans mes vidéos. Si tu vois que ma vidéo est en train de faire aujourd'hui, si c'est contrôlé, tant il faut pas appeler. Sinon, je te raccroche. Parce que je vais inviter tous mes esprits de Mami Watala. Parce que vous savez ce qui se passe dans ma tête. Je vais inviter tous mes esprits de poissons là dans ma tête. Donc, si vous n'aimez pas aujourd'hui là, ne m'appelez pas pour dire non, je t'aimais bien, hein, mais aujourd'hui là, je ne vais pas. Tu appelles, tu donnes ton point de vue. Ou bien, si tu n'as pas envie de parler, tu fais vie ignorée, regarder, passer. On est d'accord. Donc voilà. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est un buzz ou si c'est la vérité. Parce que vous savez, les gens sont prêts pour le buzz. Les gens sont, ils sont, c'est-à-dire qu'ils font tout pour le buzz. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment la réalité ou bien si c'est un buzz. On ne sait jamais, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Parce que quand la page de Créole a été piratée ici, là, on a vu la fille là aussi faire un post que pour dire que la page de son chéri aussi a été piratée. Elle a été piratée. Donc là, là, quand les gens font le truc, on prend tout pour buzz. Ok? Donc ici, peut-être que, bon, il y a eu peut-être les échanges que l'autre n'a pas voulu écouter l'autre. Et puis voilà le truc. Puisqu'on a dit que ça c'est si, comment on appelle? Comment je peux dire? Snapchat. On appelle ça comme ça, mon Snapchat. Bon, Snap. C'est là-bas que tout a débuté. Et puis, on est venu se retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis, la fille même là, elle est venue se justifier. Il paraît qu'elle a coulé les larmes de crocodile. Ou bien, si elle a pleuré là-bas, Adama, on peut pleurer comme ça pour nous donner. On peut pleurer comme ça pour nous donner. Donc, dans les dix, c'est-à-dire que le message que Eka a dit, puisque lorsqu'il y a eu les histoires, hein, entre la fille et la dame qui vient d'accoucher, ok? La fille, elle avait les histoires ensemble. Oui, vous pouvez parler sans les injures, voilà. Sans les injures, parce que celui qui lance injure, je te bloque. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, les gens disaient que oui, que c'est Eka qui envoyait Aya devenue insultée. D'accord. J'avais même fait une vidéo où dans ma vidéo, j'ai dit, mais c'est pas une petite fille pour qu'elle, on l'envoie pour venir insulter quelqu'un. Parce que si Eka même veut répondre à la fille, elle n'a pas besoin de passer par quatre chemins ou bien d'envoyer quelqu'un pour parler à sa place. Mais je pense que Aya, c'est pas une petite fille, c'est une grande fille. Donc, on ne peut pas l'envoyer pour qu'elle vienne parler à la place de Eka. Vous voyez? Donc, les gens se sont dit, oui, c'est Eka qui a envoyé Aya de venir insulter les gens. C'est mamie, c'est l'auto, c'est truc, c'est là. Donc, puisque Eka, elle n'a pas fait de pause en ce temps. Ok? Oui, je n'ai pas de papier, j'assume. Voilà, si je n'ai pas de papier là, vous là, ça va changer quoi dans votre vie? Du moment qu'on me donne à manger. Je ne suis pas en prison, je ne suis pas de là. Vous là, je n'ai pas de papier là-haut, ma chérie. Ça va changer quoi dans ta vie? En quoi ça te dérange? Aïe! C'est entre moi et puis mes problèmes. Si je n'ai pas papier, tant pis, ça va changer quoi dans ta vie? Laisse-moi dans mon sans papier là. Je suis venu chercher à manger chez toi. Je suis venu frapper à ta porte pour venir dormir. Adama, on peut avoir un lourd comportement comme ça. Aïe, je ne comprends pas. Tu es sans papier, tu es ici. J'ai demandé à manger à quelqu'un. Aïe, ou bien c'est quoi cette mentalité bidon là? Excusez-moi. Alors. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir madame, c'est pour intervenir. Ok. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, là.
Lova, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. On vous écoute, hein? C'est pour intervenir. Ok, on vous écoute. Oui, moi, franchement, tout ce que j'ai à dire à Aya, elle n'a qu'à se revoir. Tu vois, c'est pas la fin du monde. Tout le monde a connu des déceptions, des trahisons. Elle n'est pas la seule. Moi-même qui parle là, franchement, là où moi-même je trouve pour manger, pour nourrir ma famille, j'ai amené des gens là-bas dans l'intention qu'on les aide. Mais au finish, les gens là, ils ont monté des coups contre moi. Moi, aujourd'hui, je suis devenue à zéro. Donc, franchement, je compatis beaucoup pour Aya. Elle ne mérite pas ça, mais c'est la vie. Elle n'a qu'à se ressaisir, se corriger. Elle n'a qu'à laisser d'aimer les gens. Elle-même, elle n'a qu'à s'aimer elle-même. En plus, elle n'a qu'à arrêter de casser les papots, de dire ce qu'elle ne connaît pas sur la vie privée des gens. C'est En ça. voyant Lova, est-ce que Lova, avec un tel qui va avec, elle peut être un sans-papier? Adam. Non! Voilà, donc elle n'a qu'à se revoir un peu et corriger quoi. Dorénavant, elle n'a qu'à se corriger avant de dire du n'importe quoi sur les gens quoi. C'est Tu ça. vois. Oui, sinon, voilà moi mon point de vue. Hein. En tout cas, Surtout merci. ton cas là où elle a dit, toi tu n'as pas un papier, tu es un Ma chérie, laisse affaire de tel papier là. Il faut qui laisser va affaire de avec. papier là. Laisse affaire de papier là. Moi, si on me dit, je suis sans papier. Je suis pas sans papier. L'essentiel là. Je suis sans Lova qui a papier. un tel chic, Il dit, même il le sent roi de la même pas Belgique là. la langue. Le roi de la Belgique là. Il connaît Lova. Il suit mes vidéos. Je suis en ordre. Donc laisse les gens parler. Laisse les gens s'embrouiller. Merci Lova. beaucoup. Bisous. Hein. Oui. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout juste ce problème-là que nous sommes en fait. Lorsque les gens disaient que c'est Eka qui encourage Aya dans ses bêtises, c'est elle qui l'envoie pour venir insulter la dame qui vient accoucher et tout. Et comme Eka, c'est-à-dire que pour laver son image de cette histoire, elle n'est pas sortie pour faire un poste, pour dire que voilà. Ne pensez pas que c'est moi, j'envoie cette fille-là pour venir insulter enfant de gens ou bien pour venir insulter les gens. Non, ce n'est pas moi. OK? Ce n'est pas moi. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, parce qu'elle a vu que franchement, c'est vraiment exagéré, c'est vraiment abusé, elle a dit, mais c'est quelle fille on parle et puis elle ne coûte pas. Voilà. C'est quelle? Parce que Emmanuel. C'est une mère, elle a des enfants. Parce que voilà, c'est une maman aussi qui a des enfants. Elle ne peut pas envoyer quelqu'un pour venir insulter enfant d'une femme, pour venir insulter les enfants. Puisque elle-même, elle a des enfants. Vous comprenez? Mais si aujourd'hui, si Emmanuel Keïta, elle a fait ce poste, ou bien je ne sais pas réellement, parce qu'il doit y avoir un vrai problème dans le noir que nous n'avons pas encore bien compris ce qui s'est réellement passé. Vous comprenez? Mais si aujourd'hui, elle est venue, elle a fait ce poste-là, c'est que vraiment, elle a eu à parler à la fille d'arrêter de toujours insulter, de toujours insulter les enfants, parce qu'elle, ça la met mal à l'aise. Ça la met mal à l'aise, mais elle n'a pas écouté. OK? Elle n'a pas écouté Eka. Elle ne l'a pas écouté. Eka a beau lui donner des conseils qu'elle n'a pas écouté. Oui, allô? 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 Oui, allô? Oui, Lova. Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Oui. En fait, moi, j'appelle pour intervenir juste un peu. D'accord. Concernant la fille Aya et Eka. OK. Eka, c'est... Non? Eka, c'est ma star. OK.
Voilà, Eka, c'est ma star. Je l'adore parce que c'est une personne, elle a le savoir-vivre. C'est ça. Quand elle parle, elle est posée. Voilà. Maintenant, quand une personne prend toi ton affaire, parce que quand Eka est venue là, tout le monde a voulu ressembler à Eka, C'est hein. ça. Voilà, parce qu'elle parle bien. Elle donne de bons conseils. Donc, toutes les filles, toutes les jeunes filles, même que ce soit camerounais, quoi, tout le monde a aimé Eka. C'est ça. Maintenant, arrivé un moment, il y a une fille qui se lève. Elle prend ton nom pour venir faire parler. Même si on dit que tu n'aimes pas, tu veux pas te mettre dans les histoires, tu peux appeler la fille de côté. Pour lui dire, ah ma chérie, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de salir mon image. Faut arrêter. C'est ça. Même si elle dit à la fille et que la fille ne veut pas écouter, la fille continue. Moi, à mon humble avis, je pense que Eka pouvait s'asseoir pour dire, vraiment, moi, je ne fais pas partie de ce truc-là. C'est ça. Parce que même moi-même, Eka, c'est ma fan. Mais moi, je me dis que c'est elle qui envoyait la fille. Parce qu'on ne peut pas prendre le nom de quelqu'un pour venir faire parler comme ça tous les jours. Arrivé à un certain moment, ça va te salir. C'est Ça va te ça. blâmer partout. C'est ça. Donc, voilà, elle pouvait se lever pour venir faire même juste une petite vidéo pour dire vraiment, mes fans, excusez-moi, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, je ne suis pas de cet avis-là. C'est ça. J'ai parlé à la personne, elle ne m'écoute pas. Et comme c'est une personne qui est due d'oreille, elle fait ce qu'elle veut. Mais mes fans, sachez que je n'ai rien à voir là-dedans. C'est ça. Si tu as dit ça, nous tous on va comprendre. Mais quand elle vient, elle prend l'autre côté, elle fait bada, bada, bada. Mais nous tous on va dire que c'est toi, tu l'envoies. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, maintenant, il y a problème. On va venir dire que oui, il y a les voix, on a écouté, il y a les quoi, quoi, quoi. Et qu'on n'a qu'à se revoir. C'est ça. Sur les réseaux sociaux, là, il y a beaucoup de choses qui se baladent. C'est comme tu viens de dire tout à l'heure, là, c'est la sorcellerie pure. Aujourd'hui, elles vont rentrer dans leur inbox. C'est pour ça que j'aime bien ton affaire, parce que toi, tu rentres pas dans l'inbox des gens. Ça c'est. Moi, je préfère finir Elles mon vont affaire rentrer ici, dans assis leur dans mon coin. inbox là, elles vont critiquer, elles vont manger, elles vont découper, elles vont faire quoi, quoi, quoi. Demain, et puis elles aiment s'enregistrer. C'est ça. Demain, quand ça va pas là, ça sort. Et quand ça sort, maintenant, nous, les pauvres affairés qui sommes là, là, qui aimons lire les commentaires, là, nous, on va dire quoi? Ah, Nous, on va argumenter, c'est on va lire ça, aussi les commentaires. c'est ça. Donc, c'est vrai que Eka, elle n'a pas assuré sur ce côté. C'est ça. Moi, j'ai mon homme. Je ne t'ai pas envoyé, même si mon homme m'a fait du mal. Moi, je veux parler de l'histoire de Chamberlain. Ça n'a rien à voir, mais ça fait partie. Mais cette fille-là, elle se lève. Parce que c'est elle qui a fait que nous tous, on a connu l'affaire de Chamberlain. C'est ça. Elle va se lever, elle va venir parler. Celui-même qui ne devait pas parler mal à Eka s'est levé à parler mal à Eka. Celui qui ne devait pas parler mal à Chamberlain s'est levé à parler mal à Chamberlain. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Non! Il y a des moments quand tu es mal élevé, quand tu es dévergondé, il faut rester dans ton affaire de dévergondage. Maintenant, il y a des moments quand tu es très bien élevé, là. Il faut être très bien élevé. Il faut suivre cette éthique que tu t'es donnée. C'est ça. Et Eka, elle est venue, elle nous a fait croire, elle nous a fait savoir qu'elle était très bien élevée. Quand il y a quelqu'un qui ne va pas dans toi, ton sens, il faut savoir dire stop. C'est ça. Et ce côté-là, elle n'a pas su dire stop. Donc, ça fait que n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle chose va se lever, va lui parler mal. C'est ça. Donc, moi, c'était mon intervention. En tout cas, merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Au revoir. Merci à toi, Lova. Merci, au revoir. Et tu as tout en beauté. Et puis, ma chère, Merci. quand on dit on n'a pas de papier en France ici, là, on n'a pas de bail de maison, hein, à son nom. Ah, voilà ça. Dit. Quand on n'a pas papier en Europe ici, là, ses enfants ne viennent pas par regroupement familial. Ah, voilà ça. Dit. Voilà. Donc là, tes papiers là sont en popo dipo. Eux, n'ont qu'à aller chercher pour eux. Allez-y chercher. Ils n'ont qu'à Merci aller beaucoup. chercher pour eux. Sinon, si c'est pour toi, c'est déjà cimenté, C'est c'est là. bétonné Ils sont depuis que tu es embrouillés. ici là. J'ai dit, ils sont embrouillés. Il faut laisser ceux-là. Ils sont Ah bon. embrouillés.
Elle a la maison qui va avec. Non, Adama. c'est la raison, celle qui a embrouillé. Celle qui a embrouillé. Sinon, nous, on sait que l'eau va nous appâtir. Merci beaucoup, On ma sait que les belle. enfants de Pamba sont rentrés sur la Belgique. Merci, ma On belle, et bonne soirée. Merci. Oui, au revoir. Bisous à Ouais, toi. bisous, ouais. Je vais vous rassurer, hein, ne vous inquiétez pas. Laissez ça. La police n'est qu'à venir de suite. C'est là, quand la police vient, on sait qui est qui. Donc, laissez les gens qui sont embrouillés là. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'erreur que Eka a commise. C'est l'erreur qu'elle a faite. Du fait que lorsque la fille prend son nom pour venir, comment on appelle, insulter, mais les gens vont dire que mais c'est elle qui l'a envoyé. Ça ne lui coûtait rien de prendre son téléphone, comme vient de dire la dame, de dire, ma chérie, si tu t'en vas faire tes vidéos là, si tu vas insulter là, épargne mon nom dans vos histoires. Épargne mon nom dans tes histoires. Mais Eka n'a pas fait ça. Je m'excuse. Moi, je vous ai dit, oh, moi là, je vous ai dit que moi, je n'ai pas parti pris. La personne qui zaille là, je viens, je tiens ça. Voilà. La personne qui zaille là, je viens et puis je dépose. Je ne suis pas dans l'histoire d'hypocrisie. Non, c'est ma star. Non, c'est mon ceci. Non, c'est mon cela. Non. Voilà, disons la vérité vivante. Donc aujourd'hui, si elle avait fait ça dès le début, là, mais les gens n'allaient pas mettre les yeux sur elle. Parce qu'il y avait un temps où elle a fait vidéo, elle a même ma bonne petite et tout. Vous voyez, il y avait une ambiance, ma bonne petite et tout. Elle se donnait un genre. Donc la fille, automatiquement. Voilà. Mais pourquoi c'est maintenant? C'est gâté. Pourquoi c'est maintenant que tu vas maintenant dire aux gens que arrêtez de m'envoyer vos messages. Je vais lire, hein, même si je ne sais pas lire. C'est que si vous allez souffrir de mon français. Je ne sais pas si c'est un buzz ou si c'est la réalité. Hein. Je vais lire. Je vais lire la publication. Bon, ça s'est passé sur Snap. Mais faites ça sur Facebook parce que nous, on n'est plus sur Facebook que sur Snap. Nous sommes plus sur Facebook que sur Snap. Et il y a beaucoup d'affaires aujourd'hui là. Est-ce qu'on va s'en sortir? Il y a beaucoup d'affaires d'ailleurs. Allô? 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 Allô, allô? Oui, allô. Oui, bonjour madame. Allô, bonjour. On vous écoute. Pourrais-je parler à Laura, Laura, s'il vous plaît? Oui, vous voulez parler en privé ou vous voulez intervenir? J'aimerais intervenir, je ne serai pas longue, je voulais intervenir. Ok, on vous Juste écoute intervenir. madame. On vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On vous écoute, madame. Allô, bonjour, bonsoir madame. Oui, bonsoir, on vous Allô écoute. Laura. Oui, on vous Oui, écoute. bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, Je madame. voulais intervenir là, je ne sais pas si c'est Laura ou si c'est qui. Oui, c'est bien Lova. On vous écoute, madame. Alors Laura, bonsoir. Oui, bonsoir, Pour tout madame. commencer, moi vraiment je ne suis personne pour juger le prochain, mon prochain, voilà. Moi, D'accord. ce que je voulais, voilà, oui, allô, vous m'entendez, madame? Oui, on vous attend. Oui, allô. Allô, Lova, Oui, on vous bonsoir. attend. On vous attend. Allô? Oui, on vous Maman, écoute. je vous reçois pas, là. On vous Moi, je vous écoute. reçois pas. Mais nous, on vous attend ici. Vous pouvez parler. On vous écoute. Alors, je voulais dire juste que, moi, par exemple, moi, personnellement, je ne suis personne pour juger Eka ni Aya. D'accord. Voilà. Moi, ce que je tenais à dire sur cette vidéo-là, ce que je tenais sincèrement à signaler est que quand les gens disent que, quand les gens disent que c'est Emmanuel Keïta qui amène Aya à insulter les gens, selon vous, Aya, c'est un enfant? Non. Est-ce que c'est un enfant? Non.
Parce que moi qui suis là, quelqu'un ne peut pas me dire, écoute, toi, amène, va insulter telle personne, va insulter telle personne. Chacun est libre. Nous sommes en Europe, nous vivons tous sur le territoire. On sait ce que c'est. Insulter des personnes, surtout en Europe, là, on sait ce que c'est. Tu sais vers quoi tu vas, contre quoi tu vas. Donc, moi, ça me queue d'entendre des gens dire que c'est Emmanuel Keïta qui a envoyé, par exemple, aya insulter des personnes. Pour moi, bon, je ne défends pas Emmanuel Keïta. Bon, peut-être ça peut être vrai. Mais quelque part, il n'est pas un enfant. Si tu l'as envoyé une fois, tu l'as fait deux fois, tu l'as fait. Les gens s'acharnent sur toi. Les gens s'acharnent sur toi. Je pense que la troisième fois, si tu viens me dire, écoute, va insulter, moi, je ne vais plus. Je ne vais plus. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on s'en prend à Emmanuel Keïta, que c'est elle qui envoyait Aya, c'est pas possible. Moi, je crois pas à ça. Et puis bon, une fois, je ne comprends pas parce qu'il y a beaucoup de voix, je ne comprends plus. Vous m'entendez? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, je vous entends, madame. Ok, on vous écoute. Voilà. Donc, pour ça, moi, je ne suis pas pour le fait qu'on accuse Emmanuel Keïta. Et puis, le fait de dire que oui, elle n'est pas sortie faire une vidéo pour dire à Aya, pour dire aux gens, à son public ou bien aux gens, arrête, Aya ne fait pas ça parce que les gens pensent que c'est moi. Elle n'a pas à se justifier. Aya n'est pas un enfant. C'est ça. Aya n'est pas un enfant. Tu m'envoies une fois, tu m'envoies deux fois, je vois que ça ne tourne pas rond, moi, j'arrête. Et puis, bon, tu vois, donc, en plus de ça, tu peux parler à Aya. Quand la dame qui a appelé tout à l'heure, je pense avant moi justement, elle a dit que Emmanuel, selon elle, Emmanuel Keïta envoie Aya insulter des gens. Mais écoute, et que Emmanuel Keïta aujourd'hui devait s'asseoir pour parler, dire à tout le monde que non, ce n'est pas moi. Mais elle n'a pas de justification à donner aux gens. Oui, vous comprenez. Elle n'a pas de justification à donner aux gens. Moi, c'est ce que je vois. Et puis, tu peux me parler une fois, deux fois. Si je ne change pas là, tu me laisses. Oui, c'est ça. Peut-être qu'elle a dû parler une fois, deux fois. Aïe, elle ne veut pas changer. C'est ça. Moi, je me rappelle un peu la dernière vidéo d'Emmanuel où elle a clashé le Loboté la dernière fois là. Elle a bien dit que ma petite Aya, je lui ai parlé. Elle avait dit une phrase, une telle phrase, je me rappelle bien que moi, je lui ai parlé. Mais bon. Ça veut dire qu'elle lui parle, mais la petite ne change pas. Aya ne change pas. C'est sa manière d'être. Aya a dit que c'est pas ici. Elle a commencé ce genre de clash, se battre pour les gens depuis le pays. Elle le faisait. Ça veut dire que c'est une fille, c'est dans son sang. Elle peut se donner un nom, elle veut se donner un pouvoir, elle veut se donner un être, un paraître. Je ne sais pas ce qu'elle veut prouver aux yeux des gens, mais écoute, si tu veux faire ce genre de choses-là, habille-toi correctement. Quand je dis habille-toi, là, prends tes forces et puis il faut le faire. C'est ça. Mais il ne faut pas prendre le nom d'autrui pour partir combattre. Ça, c'est vrai. Prends tes armes et puis va combattre. Donc moi, je me dis que quelque part, là, c'est inutile d'accuser Eka. C'est inutile parce que moi, je ne suis pas un enfant. Tu ne peux pas me dire une fois, deux fois, va insulter, puis troisième fois, je vais continuer. Non, c'est impossible. Ça, c'est vrai. Pourquoi Eka même n'insulte pas les gens? Vous pensez qu'Eka, là, elle a peur d'insulter quelqu'un? Moi, je ne crois pas. Aujourd'hui, on ne va pas venir dire que oui, la dame, c'est parce qu'aujourd'hui, le thème d'insulter les enfants d'autrui, ça ne l'arrange pas qu'elle sort de son silence pour dire que c'est fini, c'est fini. Moi, j'espère bien que ça cette histoire-là, j'espère bien que ce n'est pas un buzz parce que Emmanuel, c'est une autre classe. Aya, c'est une autre classe. Donc, ce sont deux trucs, disons, deux traits. L'autre est en train de partir, l'autre en train de venir. Ce sont deux côtés opposés. C'est ça. Mais moi, je ne sais pas même d'où était née leur amitié. Et puis aujourd'hui, Emmanuel va se retrouver dans ce bafouage de salir son nom de gauche à droite. C'est elle qui envoie tant, c'est elle qui envoie tant. Mais toi, Lova, excuse-moi. Quelqu'un peut t'envoyer, toi, aller insulter des gens? Non. Non, dis-moi, quelqu'un peut t'envoyer, toi, aller insulter quelqu'un? Non. Je ne crois pas. C'est dans les habitudes. On te regarde et puis on te dit, va insulter quelqu'un. Moi, je pense que tu vas dire non. Ou bien. C'est inutile d'accuser une personne. Je ne suis personne pour juger, mais vraiment, c'est inutile. C'est inutile d'accuser la dame. Laissez-la. C'est pas la peine parce qu'elle n'est pas sortie faire des vidéos pour dire, voilà, tralala, trololo. Non, c'est pas ça. Quand même.
Aya, on sent que Aya, c'est une fille, c'est dans ses habitudes. Elle a bien dit depuis Abidjan, elle se battait pour défendre des gens, elle se battait. Elle cherchait un nom. Elle s'est dit qu'en utilisant l'identité de Eka, elle allait peut-être se faire une étoile filante, je ne sais quoi, une étoile qui allait briller pour elle. Mais écoute, si tu utilises le nom de quelqu'un pour faire quelque chose, tu veux te baser sur une personne pour faire quelque chose, fais des choses positives. Ne sois pas chaque fois en train de dénigrer, dénigrer. Dénigrer, dénigrer, là, je ne sais pas ce que celui a, ça lui apporte sincèrement. Moi, je ne sais pas ce que ça apporte à cette Aya là. Je ne sais pas. On a toujours parlé de Lolo, je ne vais pas la nommer, que Dieu me... Lolo, excuse-moi beaucoup. Mais on a toujours parlé de Lolo, 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 Lolo. Mais aujourd'hui, là, si on parle de Aya, là, arrêtez d'accuser, elle n'a qu'à prendre ses responsabilités. Elle a dénigré des gens, elle prend ses responsabilités, basta. Dieu bon. Merci, merci beaucoup, c'est madame. C'est dans ses habitudes. Donc, merci. Vraiment, Lola, excuse-moi beaucoup. Non, quoi. Enfin, ce sujet-là, vraiment, je ne suis pas trop d'accord pour le fait que vous pensez que c'est Eka qui envoie Aya insulter les gens. Non, Aya n'est pas un enfant, elle est grande, elle pense à ça. C'est parce qu'on pense. Je ne suis même pas encore entrée, je suis en train d'expliquer. Allez, donc, c'est ce que moi, je tenais à vous dire. Quoi. Voilà, moi, merci, vois, beaucoup, que... merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, merci, on ne peut pas te dire, attends, d'aller insulter quelqu'un ou bien d'aller manger des déchets toxiques, tu vas aller les manger. Non, c'est impossible. Donc, vous voulez me dire que... Ça fait déjà 7 minutes. On va rester là, je sens, je ne vais plus parler. Ah, si je ne si coupe pas, on ne va pas quitter cette année. Déjà, ça fait 7 minutes. Moi, j'ai parlé déjà. Si toi, tu parles 7 minutes là, Adam, même si on laisse la liberté. Une petite phrase et puis on avance. Voilà. Donc, je reviens. Lorsque la dame qui a accouché, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que la dame qui a accouché là, hein, la directrice des réseaux sociaux, insultait Eka Eka? Et à chaque fois, Aya répliquait, la directrice des réseaux sociaux qui a accouché là, la tante qui aime écarter ses yeux là, elle met sa bouche sur Eka en disant que oui, c'est Eka qui envoie Aya. C'est Eka qui envoie Aya de venir insulter ses enfants. Même si c'est un buzz, c'est que c'est un faux buzz en fait. Voilà. Si c'est un buzz, c'est que c'est un faux buzz. Parce que Emmanuel Keïta, ça ne lui ressemble pas en fait. Elle n'a même pas besoin de ce genre de buzz. Elle, il suffit de tousser seulement là. Son buzz prend. Il suffit de tousser seulement, le buzz de Eka là, ça prend. Elle a dans buzz, elle ne force pas. Peut-être que c'est Aya qui force dans le buzz. Voilà, c'est elle qui force dans le buzz. Sinon Eka, vous savez en matière de buzz là, vous la connaissez. Vous la connaissez. Elle vient tousser tout de suite là, vous allez voir la, le, c'est-à-dire que ça va prendre la toile. Mais si c'est un buzz, c'est que c'est un faux buzz. C'est que c'est un faux buzz même qui salit déjà l'image d'Emmanuel Keïta. Parce que déjà, les gens ont commencé à la traiter de Gilda. Les gens ont commencé à l'insulter. Les gens ont commencé à la manquer de respect. Donc, si ça, si c'est un buzz, vraiment, je serais vraiment un peu découragée dessus, en fait. Je serais dessus. Parce que c'est un buzz qui n'a pas de... qui n'a pas, c'est-à-dire, un buzz qui n'a pas de valeur. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si Emmanuel Keïta, elle a fait un post pour dire stop, ça suffit, je ne veux plus jamais que quelqu'un m'envoie les messages en me disant qu'il faut recadrer Aya. Aya, ce n'est pas une gamine, ce n'est pas un enfant, elle n'a pas 18 ans. Pour que, et pour que Emmanuel Keïta va la recadrer. C'est parce que à chaque fois, les gens rentrent en une bosse d'Emmanuel Keïta pour lui dire que il faut recadrer Aya. Donc elle a dit, mais Aya n'est pas ni. Aya n'est pas. Attendez, je vais lire d'abord. On est dessus. Pardonnez si vous appelez là, ne prenez pas 7 minutes, même si je vous laisse la liberté. Mais soyez quand même bref. Après, vous allez me dire que je vous coupe au nez. Mais si vous prenez 7 minutes, 6 minutes, on ne va pas quand même. Vous n'allez pas terminer mon direct. Je vais vous lire le message de Eka. Ok. Même si je ne sais pas lire, souffrez de mon français. Eka. Que ce soir la dernière fois
que je reçois des messages en me demandant de recadrer Aya Robert. Ok, je relis, hein? Le message, il est là. Voilà, donc je relis, j'espère que je lis très bien pour vous. Donc, voici le message de Eka à des personnes qui l'envoient d'aller recadrer Aya. Je relis, écoutez-moi très bien, je lis. Ça, c'est Eka qui parle. Que ce soit la première, et que ce soit la dernière fois que je reçois des messages me demandant de recadrer Aya Robert. Ok, je respire et je continue. Je ne suis ni son amie, ni sa sœur, ni sa mère. Adama, voilà. C'est une femme. Donc, ce que je suis en train de lire, c'est Eka qui est en train de dire aux personnes qui l'envoient des messages en une bosse. Pour lui dire que Eka n'a qu'à recadrer Aya Robert. Et maintenant, elle répond à ces personnes-là. Pour dire que je ne suis ni, comment on appelle, sa sœur, ni son amie, ni sa mère. Ok? Donc, c'est une femme. Donc, Aya, elle est une femme. C'est-à-dire, c'est une femme qui l'aime bien. Ok, qui l'aime bien et elle en retour, elle donne de l'amour à Aya. Donc je répète, je ne suis ni son amie, ni sa sœur, ni sa mère. C'est une femme qui me donne de l'amour, à qui je rends cet amour. C'est-à-dire que afin que vous avez chargé sur votre tête André Tolé là, André Eni là. Où est le français, le français qu'elle a parlé mal dans ça, juste quand vous parlez de rejeter là. Ok. Où est le... téléphone. Où est le français qu'elle a... Où est ce qu'elle a dit de mauvais? Ce qu'elle a dit dans ce que je viens de lire là. Où est ce qu'elle a dit de mauvais? Et puis vous avez pris que non, elle a rejeté Aya, elle a fait ceci. Je reprends. Ce que Eka dit, écoutez-moi très bien, parce que je vois que des personnes ont commencé à exagérer. Parce que Eka, elle a bien parlé à des personnes qui veulent qu'elle n'a qu'à recadrer Aya. Elle les a dit que ce soit la dernière fois que je reçois des messages me demandant de recadrer Aya Robert. On est d'accord? Je ne suis ni son amie, ni sa sœur, ni sa mère, c'est une femme qui me donne de l'amour, à qui je redonne cet amour. Attends, à qui je rends cet amour. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est une femme qui l'aime bien, qui lui, c'est-à-dire qui la respecte. Et en retour, elle donne ce respect à cette fille. Où est ce qui est mal dedans? Dites-moi, où est ce que Eka, c'est-à-dire que, où est ce que Eka a dit de mal? Et puis vous êtes en train de l'insulter jusqu'à de la traiter de Julta, de mauvaise. Où est le mauvais message qu'elle a donné à, qu'elle a écrit? Bon, on ne sait pas si on dit il y a les vocales ou bien les vocaux, je ne sais quoi. Donc elle répète, Eka répète toujours, je suis responsable de mes 4 gosses. Ok? Je suis responsable de mes 4 gosses. Je n'en ai pas 5. Donc, elle ne veut pas avoir 5e sur sa tête. Elle a déjà 5 enfants. Elle ne veut pas avoir 5e sur sa tête. Oh. Dissocier mon image de cette dernière. J'aime ma tranquillité. Où est-ce qu'elle a dit de mauvais? Où est-ce que, où est mal parlé qu'elle a fait? Puis on dit, elle a rejeté, elle a fait ceci. Où est le mal parlé qui est dans ça là? Où est le mal parlé? C'est-à-dire, ce que je lis là. Toi, tu me dis, va à l'école là, mon frère. Tu fais quoi sur ma page avec tes testicules froissés?
tes testicules froissés, hein, ou bien ton pétou périmé, là, ma chérie. Français que je suis en train de parler. Et puis tu es venu t'asseoir avec ton pétou périmé, là. Français, là, tu n'as pas compris. Ou bien c'est ma langue, c'est Wobe, je suis en train de parler. Hein? C'est Wobe, je suis en train de parler ici. C'est Wobe, je suis en train de parler. Toi, tu es venu t'asseoir, puis tu as fait un lourd commentaire, là. C'est qui est en train de sortir de ma bouche, là. C'est Wobe, c'est en train de parler là, et puis tu comprends là, là. Adama, on peut avoir lourd comportement comme ça. On peut avoir lourd comportement comme ça. Aïe, toi, tes parents t'ont bien mis à l'école là. Tu fais quoi sur ma page? Tu fais quoi sur la page des illettrés? Ok. Famille, vous-même, vous voyez. Famille, vous-même, vous voyez à faire là. Tu n'arrives pas à bien comprendre mon français. Tanti, il faut prendre coton net. Tu vas être gratté dans ton oreille. Parce que ce qu'il est en train de parler là, ce n'est pas Wobe, c'est en train de parler. Ce n'est pas ta langue paternelle, ni ta langue maternelle, c'est en train de parler. Donc, Tanti, il faut quitter sur mon direct avec tes poils crépis. Sinon, là, je vais te déshabiller ici. On continue. Un peu seulement, ce n'est pas français que tu es en train de parler. André, vous-même là-haut, français là, c'est votre langue. C'est Wobe, c'est en train de parler. Vous avez dit que je suis française. Moi, je suis Wobe de mère et de père. Je pouvais parler mon français. Je pouvais parler Wobe ici. Mais si je parle français, tu comprends. Mais tu as venu écarter tes narines, André Éventail, là, pour me contredire. Adama. Toi, ce n'est pas à l'école que tu as appris français. Ce n'est pas à l'école que tu as appris français. C'est que vous-même, vous n'êtes même pas capable. C'est-à-dire que vous avez tous les diplômes. C'est-à-dire que vous êtes intellectuel, mais vous n'êtes pas capable de prendre le téléphone pour véhiculer un message. Quand on véhicule un message, c'est vous qui allez dire, tu es illettré, tu comprends pas français. Ma chérie, du moment que tu es assis sur mon direct, là, ferme ton con. Ferme ton con. Ok? N'importe quoi. Ne m'énervez pas. Hein? Ne m'énervez pas. Hein? Si je désactive mon côté, là, et vous insultez, c'est mal malin. Hein? Vous n'êtes pas dit qu'on est trop gentil et vous pensez que c'est truc. Corsia. Vous avez compris? Donc, elle ne veut plus, en fait. Parce qu'elle a tellement conseillé cette fille. Elle lui a donné des conseils pour dire, ma chérie, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Ça ne te ressemble pas. Elle a donné conseil à Aya Robert. Parce qu'elle aime bien. Ekala, elle aime bien. Elle aime bien. Elle lui donne le conseil, n'est pas écouté. Aïe. Mais si vous êtes connu comme cela là, donc si tu parles à quelqu'un, que la personne ne t'écoute pas, mais tu vas te retirer. Tu vas te retirer, puis tu laisses la personne dans ses bêtises. Pardonnez, dans ses bêtises. Parce que quelqu'un, un, deux, trois, qui vient mettre vos conversations. Un, deux, trois, qui vient mettre vos conversations. Est-ce qu'une personne comme cela là-haut, tu es obligé de rester avec elle? Parce qu'une personne qui va changer là, elle change. Elle change. Donc, si tu veux que moi et toi, je sois ton ami, mais quand tu sais qu'on te donne des conseils là, il faut écouter. Il faut écouter. Hein? Donc, un cas, c'est normal. Peut-être qu'elle lui a donné des conseils jusqu'à... Elle ne l'a pas écouté. Elle ne l'a pas écouté. Donc, elle ne veut pas que son image soit associée à la fille. Où est le mal? Donc, oui, elle est Jida, elle est ceci, elle est cela. Mais cette fille-là, quand les Don Giovanni, toi tu dis que tu aimes une personne, quand Don Giovanni l'insultait là, tu étais où, mamie? Quand les Lolo Beauté l'insultaient ici, Adama, tu étais où? Même ta copine, l'autre là, l'insultait, tu étais où? Tu n'as pas toussé. Tu n'as pas toussé. Tu ne l'as pas fait. Parce qu'on aime une personne aussi là, que tu es aussi avec ces personnes là. Quand ils déraillent là, ma chérie, tu prends ton téléphone et puis tu parles. Et puis tu les recadres aussi. Bon, on a vu papa dans autocollant ici. Fait un mois en train d'insulter la fille, en train d'insulter celle d'après toi, ta star. En train d'insulter toi, ta celle que tu appelles ta star. Un mois, si la fille, en train d'insulter ses parties intimes, en train de la traiter de tous les noms, insulter ses enfants, ma chérie.
Tu étais où? Tu étais là. Tu étais là. Mais une amitié où à chaque fois ton ami, à celle que tu dis que celle que tu appelles ton ami, vous vous confiez des choses. Quand elle a problème avec des gens, c'est elle toujours qui va venir mettre papeau des gens. J'ai ton papeau, j'ai ton papeau. Mais fais attention à cette fille, c'est un danger permanent. Cette fille est un danger permanent. Il faut se méfier d'elle. Il faut se méfier d'elle. Et ne vous étonnez pas. Parce que là, elle va venir mettre les audios de Eka, ce qu'ils se disaient entre eux, ce que Eka l'a confié, tous les secrets de Eka là. Ça va, vous allez retrouver ça sur les réseaux sociaux. Vous allez retrouver ça sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. De la manière c'est gâté entre eux là. Vous allez voir. Elle va venir l'exposer. Elle va venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Toi, tu dis tu es une star, on est d'accord. Tu es en communication avec les stars. Les stars causent avec toi. Mais tu donnes quelle image en fait? Les gens vont se méfier de toi. Ils vont dire, mais celle-là, ce n'est pas une bonne fille. Celle, à chaque fois, elle va venir. Mais quand tu parles avec elle, elle va prendre ton audio pour venir déposer. Mais ce n'est pas une bonne personne à qui il faut coller ton image. Parce que c'est pas un. C'est-à-dire, le comportement qui est là, elle n'est pas un bon comportement. Elle n'a pas un bon comportement. Donc, mais si Eka se retire d'elle. C'est tout à fait normal, puisque elle a dit qu'ils ne se sont jamais vus. Ils se sont connus sur Facebook. Donc, ils vont se laisser sur Facebook. Ils vont se laisser sur Facebook. Donc, où est le mal? Quand elle est Jida, elle est ceci, elle est cela. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est selon le comportement de la personne qu'on continue l'amitié. Mais une personne, à chaque fois, j'ai ton papeau. Qui est toujours en train de détruire ses amis, en train de détruire, rentrer dans les vies privées. Hein? Rentrer dans les. Oui, tonton en duplex. Hein? De tonton qui rêve de dormir dans duplex. Rentrer dans les vies privées des gens, en train d'exposer la vie privée des gens. Mais cette personne, elle est danger permanent. C'est plus qu'une sorcière. C'est une vraie mythomie, tellement aimant. Tellement aimant ça aujourd'hui. Depuis qu'elle a dit que je suis sans papier là, c'est aujourd'hui Jésus que la place, c'est une mythomane, une vraie menteuse. C'est-à-dire, elle sait comment fabriquer le mensonge. Elle sait comment inventer les choses sur ta vie. Elle sait comment inventer les choses sur ta vie. Mais même si c'est un buzz là, ce qu'elle dit c'est un faux buzz, si c'est un buzz là, le nom de Eka est déjà sale, parce qu'ils vont l'insulter. Buzz sale, ça ne lui ressemble pas. Ça ne lui ressemble pas. Depuis que la fille, elle est venue s'asseoir pour dire que tu es sans papier, tu es ceci, tu es cela, c'est là que je suis que la fille là, c'est une vraie menteuse. C'est une vraie menteuse. Je comprends pourquoi sa vie est malheureuse. Je comprends pourquoi est-ce que sa vie est malheureuse. Elle est très malheureuse. Elle vient sur Internet pour avoir de l'amour, ma chérie. Toi, tu as traversé l'eau comme moi ici. Tu as pris bateau pour venir. Tu as nagé pour venir là. Toi, c'est amitié de Facebook tu cherches. C'est ta manière que tu cherches. Tu vas te coller aux gens. Ma chérie, on doit dire sur Facebook qu'on se colle sur les gens. Tu viens t'asseoir, tu fais ta vidéo, c'est que tu as dit, tu dis, et puis tu quittes là. Toi, c'est amitié de gens, tu veux forcément devenir star. Tu veux forcément devenir star, maman. Tu veux devenir forcément, nous là, star s'est déplacé pour venir nous voir. Star s'est déplacé. Toi, tu cherches ta manière de Facebook. Aujourd'hui, tu as venu te jouer les victimes. Tandis, c'est le karma qui est en train de te frapper. C'est le karma, ce sont les retombées. Quand tu mens sur la vie des gens, quand tu inventes sur la vie des gens, quand tu viens exposer la vie des gens là, c'est le karma. C'est le karma qui est en train de te faire comme ça. Aujourd'hui, tu viens, c'est-à-dire tu viens pleurer pour nous. Fais sur tes larmes de crocodile. Viens t'asseoir qu'on attend les papous. On attend les papous. Tu n'as pas encore fini de faire les papous là. Oh, mais tu n'as pas encore d'autres enseignements.
Tu n'as pas encore fini avec les papos. Tu n'as pas encore fini avec les papos. Toi, tu as nagé comme moi ici. Tu es arrivé dans le pays des gens. Au lieu de chercher à te faire une petite place. Te faire une petite place comme Lova. Hein? Comme Lova. Tu vas venir t'asseoir dans ta petite maison où les gens ne vont pas t'insulter. Toi, tu es coincé dans ta chambre, on dirait ma salle de bain là. Ta petite chambre, on dirait ma salle de bain là. Tu vas venir t'asseoir pour mentir sur la vie des gens. Pour mentir sur la vie. Tu penses que Dieu là, il aime le mensonge. Aujourd'hui là, tu viens pleurer. Tu cherches l'amour de Facebook. Tu cherches l'amour de Facebook, ma chérie. Tu cherches l'amour de Facebook. Non, je suis une star. Adama. Star maintenant de Facebook, ça va t'amener où? Ça va t'amener où? C'est quelqu'un qui va te donner l'amour. C'est l'amour de quelqu'un que toi tu attends. Comme il faut chercher ton propre amour. Mm-hmm. Il faut chercher ton propre amour. Est-ce que tu n'as pas encore fini les papos? Tu n'as pas encore fini les papos? Hein? Toi, tu as eu la chance. Mais cette chance-là, tu ne veux pas l'arranger. C'est toi, chaque fois, j'ai papo de telle personne. J'ai papo de ça. Puis en plus, tu es tellement papato. Tu es tellement papato. Tellement papato. Tu es entre maman dans deux avions. Entre maman dans deux avions. Entre papa dans autocollant. Entre ta copine. C'est-à-dire quand tu quittes chez Eka là, tu es chez maman dans deux avions pour aller la critiquer. Critiquer, critiquer, critiquer. Quand tu quittes chez maman dans deux avions là, tu t'en vas chez papa dans autocollant. Critiquer Eka, critiquer, critiquer, critiquer. Quand tu quittes chez papa dans autocollant là, tu t'en vas chez ton copine là. Chez ta copine là. En train de critiquer. Toi, ta vie là, c'est comment? Toi, ta vie là, c'est comment? Mais tu ne vois que tu t'attires la malédiction. Tu t'attires la malédiction sur ta vie. Tu penses que tu es en train d'aider les gens. Tu es en train de défendre. Mais tu t'attires la malédiction. Tu t'attires, il faut ranger ta vie. Ta vie est pourrie. Ta vie est remplie de pourriture. Ta vie est désordonnée. Ta vie, c'est triste en fait. Change de comportement. Parce que tu es en train de te donner une image honteuse, une image douteuse. Toi, tu penses que les Josie là, elles vont te faire confiance. Tu penses que les Yves Dero, elles vont te faire confiance. Tu penses que les stars, aujourd'hui, toi, moi, si tu as eu la chance, tu as les stars à tes côtés. Tu peux trouver même une place dans le Starmania. Mais tu n'es pas intelligente en fait. Mm-hmm. Tu n'es pas intelligente. Avec tous ces désordres, tous ces ennemis, l'ennemi que tu es en train de créer auprès de toi là, tu ne sais pas que les gens vont avoir peur de toi. Les gens vont plus te faire confiance. Les gens vont avoir peur de t'appeler. Les gens vont avoir peur de t'appeler. Parce que vraiment, ils vont dire, celle-là, quand tu l'appelles là, elle t'enregistre. Celle-là, quand tu l'appelles là, elle t'enregistre. Tu n'es pas que tu es en train de salir ton image. Regarde aujourd'hui, Eka. Tu dis que tu n'as jamais vu Eka. Vous êtes connu seulement sur Facebook. D'après toi, tu dis, elle est l'une de tes abonnées. Ouais, on ne sait pas qui est fan de qui. Si c'est Eka qui est ta fan, ouais, même si c'est toi qui es la fan de Eka. C'est parce qu'elle a mal. Sinon, Eka là, elle t'aime. Eka là, elle t'aime bien. Elle t'a donné des conseils. Lorsque tu insultais Edwige Milan, elle t'a dit, stop, arrête. J'aime pas que tu insultes ses enfants. Mm-hmm. J'aime pas que tu insultes, j'aime pas que tu insultes ses enfants, arrête. Parce que c'est ça qui envoie tout ça. C'est parce que tu insultais les enfants d'Edwige Milan. Que Edwige Milan aussi là, insultait Eka. Parce que Edwige Milan disait que c'est Eka qui t'a envoyé. Donc là, elle insulte Eka. Eka t'a dit. Même je pense qu'elle t'a parlé, même si elle n'a pas fait vidéo. Pour parler devant le monde entier, mais je sais qu'elle t'a parlé en nubos. Elle t'a parlé en nubos pour dire, il faut arrêter ma petite. Je t'aime bien.
Que dans ça, arrête d'insulter les enfants. Parce que moi-même, je suis une mère, je suis une maman, j'ai des enfants. Si tu veux que toi et moi, on soit des amis, s'il te plaît, je te demande pardon. Il faut arrêter d'insulter les enfants. Mais est-ce que tu l'as écouté? Tu ne l'as pas écouté? Tu continuais? Tu as dit non, tu n'es pas. Tu sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Tu ne l'as pas, tu l'as pas écouté. Donc tu penses qu'elle n'est qu'à te soutenir dans tes bêtises? Non? Tu veux qu'elle te soutienne dans tes bêtises? Non? Elle a préféré se retirer. Parce que là, elle voit que son image est déjà salie. Mais tu es en train de salir encore plus son image. Parce que toi, femme, tu vas venir t'asseoir, insulter, Petou. Pourtant, celle que tu dis que c'est ta star là, c'est même Petou là. Mais elle se sent aussi gênée quand tu insultes le Petou d'une femme. Donc, ma chérie, il faut revoir ton comportement. Il faut revoir ton comportement. Il faut changer ta vie. Il faut te revoir. Il faut te chercher. Tantis, Facebook, là, il n'y a rien dedans. C'est pour se distraire. Facebook, là, tantis, il n'y a rien dedans. Cherche à arranger ta vie. On ne vient pas sur Facebook pour plaire à qui que ce soit. On ne vient pas sur Facebook pour se donner de l'amour, pour qu'on nous donne de l'amour. On vient pour se distraire. Tu as venu pleurer comme ça, ma chérie. Tu as venu pleurer comme ça parce que quelqu'un dit non que je ne vais pas. Adama. Vous êtes venu en Europe en détail. Hein? Tu es venu la trouver en Europe. Elle, là, sa vie est déjà rangée. Quelqu'un qui boit Runard. Quelqu'un qui se brosse avec Runard. Quelqu'un qui lave son visage avec Runard. C'est avec, à cause de toi, tu pleures, c'est pourquoi? Tu pleures même, tu viens en dame, tantis, toi, si tu as un lourd comportement. Tu as un lourd comportement, tu pleures, pourquoi? Parce que oui, elle en a. Bon, en tout cas, quand tu es sans papier, il ne faut pas trop parler. Quand tu es sans papier, il ne faut pas trop parler, pourquoi ils vont appeler la police, ils vont te mettre dehors. Moi, ma vie n'est pas arrangée, c'est moi, je vais donner conseil à quelqu'un. Avant de donner conseil à quelqu'un, il faut ranger ta vie. Moi, ma vie n'est pas arrangée. Ma vie est désordonnée, c'est moi, je vais toujours lui donner de conseils. Donc, ma chérie, il faut soigner ton image. Il faut soigner ton image, ma chérie. Il faut soigner ton image, hein. Soigner ton image. Parce que les gens profitent de ta gentillesse. Et une fois qu'ils ont ce qu'ils ont, ils n'ont plus besoin de toi. C'est quand ils ont besoin de toi là, ils t'appellent. Qu'ils n'ont plus besoin de toi, ils te jettent. Et nous, on comprend ta douleur. On comprend ta douleur, ma chérie. On comprend ta douleur. Parce que tu t'es battue. Pour Emmanuel Keïta. Tu t'es donné pour elle. Mais seulement que tu ne l'as pas écouté. Tu n'as pas écouté ses conseils. C'est pas parce qu'elle ne t'aime pas. Emmanuel Keïta, là, elle t'aime. Elle t'aime, ma chérie. Elle ne va jamais permettre que quelqu'un parle mal de toi. Elle ne va jamais permettre que quelqu'un parle mal de toi. Mais elle t'aime. C'est parce que tu es têtu. Tu es vraiment têtu. Quand elle te parle, tu ne l'écoutes pas. Tu fais ce qui vient dans ta tête. Tu fais ce qui vient dans ta tête. Et elle ne veut pas. Et elle ne veut pas se faire salir. Elle ne veut pas se faire salir. Elle ne veut pas que son business aussi soit salir. Elle ne veut pas, même si son image est gâtée, mais jusqu'à, tu vois maintenant, elle n'est plus dans les trucs de Facebook. Elle est dans son coin, elle fait son TikTok, elle fait sa petite danse, voilà. Donc, elle veut rester dans son coin tranquille. Elle veut rester dans son coin tranquille. Donc, ne regarde pas les abonnés là qui te poussent. Aujourd'hui, c'est ta star. Que tu évitais que les gens l'insultent. Mais aujourd'hui, là,
Regarde comment tes abonnés sont en train de l'insulter, de la traiter. Jusqu'à ils ont même partagé sa photo sur une page où ils sont en train de la traiter de Gilda, en train de l'insulter. C'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble que aujourd'hui tu vas la salir, non. L'amitié là, même si elle t'a fait du mal, le bien que toi tu lui as fait, le bien qu'elle t'a fait là, tu laisses ça. Tu n'as pas de justification à faire à qui que ce soit. Tu n'as pas d'explication à dire à qui que ce soit. C'est entre toi et puis ta star. Voilà. Donc il faut changer. Il faut aussi avoir la sagesse. C'est ça. Il faut être sage. C'est ça la vie. C'est ça. Ça c'est des conseils de la vie. C'est des conseils de la vie. C'est ça. Dans la vie, il faut écouter au moins ce qu'on te parle. Donc, famille, c'était juste ma petite vidéo. J'espère que tu vas te ressaisir et tu vas arrêter d'exposer les gens. Tu vas arrêter d'exposer la vie privée des gens. Tu vas arrêter de dire ce que tu ne sais pas sur la vie des gens. Ok? Tu vas arrêter. Je pense que ça va. On dit je suis sans papier. Hein? J'arrive. Ça me touche. Hein? Quand on me dit je suis sans papier là. Attendez. Affaire de mon papier là, je ne laisse pas de. Affaire de papier là, je ne laisse pas de ici avec vous. Est-ce que c'est mes papiers, vous voulez voir? Attendez, où est mon papier même? La petite belge. Vous parlez des papiers. J'ai dit affaire de mon papier là. Regarde. Voilà la petite Lova ici. Voilà. Je dis, hein, voici la petite Lova. Vous voulez que je vous montre mes papiers? Voilà la petite Lova ici. Vous êtes là. Tu es sans papier, tu es sans papier. Vous avez quel problème? Je dis, voilà ça. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je vais bien vous montrer. Vous allez voir. Avec mon petit visage innocent. Je vais bien vous montrer. Voilà mon petit visage innocent. Voilà. Donc, ma chérie, cherche à caser ta vie. Voilà ma petite, mon petit visage. Et puis, je vais vous montrer ma carte de bus, carte de métro, carte de quoi? Bus, tram et puis métro. C'est mon travail qui recherche ça. C'est automatique. C'est automatique. C'est mon travail qui recharge. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est ma carte de bus. Ma chérie, il faut bien regarder. Voilà. Et mon visage innocent. Vous n'avez pas dit, je n'ai pas de papier. Je vais vous montrer. Ça, c'est ma carte de bus. Voilà, ma carte de bus. C'est-à-dire, métro, tram, et puis, comment je peux dire, et puis bus. Vous avez compris. Hein, mon petit visage innocent. Mon visage là, c'est trop aimé. Mon petit visage innocent, regarde. Le visage est innocent comme ça. Ok. mon visage est trop, c'est innocent. Hein? Et puis, voilà la carte. Avec ma carte bancaire. Voilà la carte bancaire. Donc, ma chérie, j'espère que vous avez tout vu. Voilà. J'ai tous les trois. Donc, voilà. Ne souffrez un peu. Voilà. J'espère que vous avez vu. Hein. Vous allez me poser des questions encore. Qu'est-ce que vous voulez demander encore? Contrat de bail. Contrat de bail, si vous voulez, je vais vous montrer. C'est mon nom qui est dessus. Avec mon fils. Vous voulez que je vous montre contrat de bail? Ou bien fiche de paye? Il va vous montrer parce que je suis en ordre. Voilà. Je suis en ordre. Vous voulez, posez-moi des questions. Vous voulez que je vous montre quoi encore? Vous voulez que je vous montre quoi encore? Ah! Adama! Je vais vous montrer quoi encore? Contrat de bail. Parce que c'est mon nom qui est dessus. C'est mon nom qui est dessus. Je vais vous montrer quoi? Fiche de paye. Il y a une fiche de paye ici, même c'est rempli. Ça vaut 1,14, c'est comme ça. Et puis quoi encore? Fiche de quoi? Contrat de travail. Voilà. Donc c'est pour vous dire que je n'ai rien à prouver ici. Je n'ai rien à prouver. Vous avez compris? Voilà. Je n'ai rien à prouver. Donc voilà. Donc c'était un peu ça, ma chérie.
C'est pour te dire qu'il faut arrêter d'inventer sur la vie des gens, de mentir sur la vie des gens, des choses que tu ne sais pas. Cherche à te caser, cherche à arranger ta vie. N'écoute pas ce que les gens sont en train de dire. N'écoute pas la bouche des gens. Va de l'avant. Il faut viser de l'avant. Tu comprends? Faut laisser ta mania de Facebook là. Faut laisser ta mania de Facebook là. C'est pour juste, on va se distraire, on s'ennuie, on se distrait et tout. Faut pas prendre ça pour faire une vie. Ok? Tu vas prendre ça pour faire une vie. Cherche, arranger ta vie et puis tu viens t'affairer. Tu comprends? Donc, ne te concentre pas. Non, et ma chérie, laisse ça. Donc, je pense que ça va s'arranger. Et faut plus te coller, faut plus. Hein? Il laisse quoi? Passeport. Vous aimez ça, hein? Passeport là, il laisse ça quelque part. Laisse le passeport là, mon cher. Vous avez compris? Donc voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais dire encore? Je pense que j'en ai fini. Qu'est-ce que je vais dire encore? Donc, il faut plus te coller aux gens, ma chérie. Il faut plus te coller aux gens. Les gens vont t'utiliser. Tu comprends? Donc, de la manière que tu es venu seul là, il faut être comme ça. C'est la personne qui te dit bonjour, tu réponds. Et puis, vous vous arrêtez là. Mais toi aussi, tu as un lourd comportement. Quelqu'un te dit bonjour, tu l'enregistres. Quelqu'un te dit bonsoir, tu l'enregistres. Donc, toi, tu passes toute ta vie là, en train d'enregistrer les gens. Même ton copain, il va avoir peur de toi. Ton copain même là, ou bien ton mari là, il va avoir peur de toi. Parce que peut-être qu'il est en train de te mougou là, tu vas l'enregistrer. Hein? Il est en train de te mougou là, tu vas l'enregistrer. Ah, donc, lui, il a peur comme cela là. Il a peur. Donc, ma chérie, faut te revoir, hein, parce que tu as un lourd comportement, hein. Sinon, tu vas finir par devenir sorcière, hein. C'est pas pour ne rien, je t'appelle Dominga là-haut. Tu sais que qui a regardé le film Dominga? C'est pas pour ne rien, je t'appelle Dominga là. Si tu n'arrives pas, tu ne laisses pas la vie des gens là, tu vas finir par devenir sorcier. Parce que les gens qui s'assaient sur la vie des gens à 4h du matin, les gens qui s'assaient sur la vie des gens à 4h du matin là, elles pratiquent la sorcellerie la nuit pour se promener avec votre âme. Donc Dominga, j'ai bien fait de te donner ce nom là. Ce nom là, ça te ressemble tellement parce que tout ce que tu fais là, ça va avec la sorcellerie. Donc Dominga, faut te revoir, hein. Hein? Il faut te revoir ton comportement. Tu as un lourd comportement. Change de caractère. Il faut changer de caractère. Sinon, tu as fini par devenir sorcière. Donc, si on te traite de sorcière, ne plaît pas. Parce que tu as le comportement d'une sorcière, d'une diablesse. Dominga. 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 Je t'ai appelé combien de fois? Je t'ai appelé combien de fois? Ah. Donc, famille, en tout cas, bisous à vous. Restez concentrés. On se dit demain, à très bientôt. Ciao.